du platine. Donc à la photo de Madame, Je ne veux pas de
Aujourd'hui, nous étions ici devant les accusés. Nous voulons aussi apporter notre son de cloche devant nos amis de la presse. C'est la raison pour laquelle de ces jours, je vous prie de vous tenir debout en observant une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs de l'Est. Ok, merci. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social du 20 juillet 2022. Le lundi 18 juillet 2022, Monsieur Jean-Marc Kaboun, député national élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes de membres. Député national, élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, réclame de membres et de cotisations. Agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honte des postes de responsabilité destinés. Il a débité en chapelet des contre-vérités dans les buts inavoués de nuire à la personne de son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça a été un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. L'Union pour la démocratie et le progrès social qui dépend de ce qu'il y a ainsi a suivi qu'elle considère comme injurieuse, diffamatoire et séditieuse. Dirigée non seulement contre les partis, mais aussi contre son Excellence de la République. En effet, plutôt que de dire mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille et de la police, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons la personnalité de M. Jean-Marc Kaboun pour vous permettre que j'ai un justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger sans titre ni qualité, des châtiments corporels. Il ne s'agit pas de confisquer
qu'elle est bien d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il s'est réclamé d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, ses comportements barbares et immoraux. Comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement son auteur, mais aussi le parti qui se trouvait par ce fait mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères fondateurs, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabunda, qui lui a valu l'exclusion de l'IDPS, n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par le canal de ses gardes du corps un membre de nos forces armées, plus précisément un élément de la garde républicaine, ayant étalé constamment son immoralité sur la place publique. Son incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et son refus de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'IDPS avait choisi de chasser Jean-Marc Kabon de ses rangs pour préserver les acquis. Téléphone. Je compte la vérité de M. Jean-Marc Kabon sur le prétendu stagiaire et jussaire qui serait au sommet de l'État, venu à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Kabon n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. À les qualifier des stagiaires, soit qui les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'UDPS et de son Excellence Monsieur le Président de la République à la tête du pays, soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qu'il ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sierre Kabon parle des jussaires, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de $350,000, soit équivalent de $30,000 américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabon n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces armées, l'IDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables, débutées par Sierre Jean-Marc Kabon, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée.
Par ses déclarations, M. Jean-Marc Habon a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendues faibles mobilisations des recettes. En ce qui concerne les finances publiques depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année des fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. Des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Le budget de l'État est en train d'essayer autour de 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois. Plus de 3 fois de la situation de 2018, avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévention dans un contexte de récession mondiale lié notamment au Covid-19 et la guerre en Ukraine. Les stocks des réserves d'échange international et en fort accroissement de 800 millions en 2018, elle se situe au-delà 4 milliards en mai 2022. Une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays. Et je me pose la question. Monsieur Jean-Marc Habon avait mené des enquêtes comme député ou bien on lui avait écrit des choses sur papier pour qu'il s'adresse à la presse tout simplement. Le marché des champs est resté relativement stable depuis fin 2020 jusqu'à ce jour. Tout cela est incontestablement une expression des effets de la bonne gouvernance induite par la qualité du leadership du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Toutes ces évidences restent tout de même invisibles aux yeux de M. Kaboum. C'est pitoyable. À vous de juger si pareille performance peut être l'œuvre d'un stagiaire au sommet de l'État. Sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral. À une année de la convocation du corps électoral, la Commission nationale électorale indépendante, difficilement mise en place, acquisée à son installation, 28 mois de retard. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. C'est l'actualisation du fichier électoral. Les appels d'offres ont été lancés tant sur l'équipement en machine que sur le recrutement de personnel. De quoi un homme sérieux, expérimenté, comme il prétend être, peut déduire à ce jour pareille tentative. Et sur la prétendue gestion calamiteuse de la gratuité
de l'enseignement dans notre pays. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans notre constitution, adoptée par notre peuple le 18 février 2006 et n'a jamais été intégralement appliquée dans notre pays. Promesse de campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement est à ce jour effective. Parmi ces effets, on peut citer notamment la révision à la hausse des salaires de base de tous les enseignants. L'alignement et paiement de plus de 250 000 enseignants restés nouvelle unité. Certains depuis plus de 30 ans. L'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux de province. L'octroi des primes de bourse à ces territoires, ainsi que le paiement des primes de la gratuité aux enseignements d'outre-mer. Par conséquent, le salaire d'un enseignant est passé de 168 728 francs congolais à 381 577 francs congolais, soit une augmentation de 126%. F. Sur le dossier RAM, registre des appareils mobiles, a été institué dans notre pays par le décret du Premier ministre numéro 012/15 du 20 février 2012. À cette époque, Tshisekedi était dans l'opposition. C'est pourquoi, avant de s'adresser au public, il faut mener des enquêtes et amener des chiffres. Et ce sont des chiffres qui peuvent parler au lieu de laisser les plumes pour rien. Mais le plus grave que ce monsieur de Jean-Marc, comme député, alors à l'époque deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, n'a pas touché d'un seul coup lors des discussions de ce dossier à l'Assemblée nationale. Il a entendu son éviction pour venir se déballer par une sorte de règlement des comptes. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés au jeune même de Jean-Marc Kaboun, qui à son temps a dû mentir sur ses origines pour gagner la confiance du fait d'auteur et d'un. Le monsieur, quand il est arrivé ici, il s'est fait passer pour un Katangé Kalundé. Au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Le deuxième élément, des fils de son état, il avait menti encore qu'il était licencié en relation internationale. Et comme il y a un adage qui dit, vous pouvez tromper tout le monde par votre propre conscience. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas rester dans cette logique de faussaire, c'est comme ça qu'il était obligé de reprendre le chemin de l'université pour aller se faire inscrire à l'IMK. Des réalisations dans le secteur des droits de l'homme. Depuis l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ce régime qui puisse encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même
s'est permis d'insulter Didébi à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique. Sur le plan diplomatique, retour de la RDC dans les concerts des nations. Le leadership de son Excellence Félix Tshisekedi était confirmé lors de sa prise de fonction au sommet de l'Union africaine. Aujourd'hui, il préside la CAC que tout le monde connaît. De telles réalisations ne pouvaient pas pousser un monsieur qui réfléchit de l'échec sur le plan diplomatique. Plusieurs conflits, plusieurs dossiers ont été traités, on trouvait même des réponses sous le leadership de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. D'autres réalisations au niveau de la fonction publique que j'allais oublier. À titre d'exemple, un huissier retraité pouvait toucher 8000 francs congolais par mois. Avec Félix Tshisekedi, ses salaires est passé de 8000 francs à 87000 francs. Un directeur chef de service retraité pouvait toucher 12000 francs par mois. Et aujourd'hui, le salaire est passé de 12000 à 103000 francs congolais. C'est-à-dire de 300% à 800%. Cette majoration ne dit rien devant M. Kabound. Comportement de M. Kabound avec ses voisins. La politique de bon voisinage que tout le monde prône n'avait pas de la place chez M. Jean-Marc Kabound. Vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence? Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église à côté de sa parcelle? Et un monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Et tout le monde l'a vécu. Et certaines personnes, pour justifier tous ces comportements insensés, immoraux, on imputait ça sur le dos du secrétaire général. Comme quoi, c'est lui qui induisait ce dernier à commettre les fautes. Et je reviens vers mes accusateurs. Il s'est comporté de la manière que tout le monde a déploré. Est-ce qu'il est encore avec le secrétaire général? En ce qui concerne la gestion du parti, j'étais personnellement choqué. Tout le monde sait que pour nommer les comités fédéraux,
c'est le secrétaire général qui propose. Mais je prends à témoin les responsables des départements qui sont assis derrière moi, tous les comités fédéraux que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'était l'œuvre du secrétaire général? Ou encore moins, l'œuvre du département de l'organisation? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans les nominations, il y avait des policiers, des militaires, des morts, des gens d'autres formations politiques. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer qu'il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Et il sait que le chef de l'État lui avait retourné avec ses propositions. Et je peux vous dire, c'est parmi les éléments qui avaient créé des frustrations. Moi, je vous dis ici, il va suivre cette mise au point. Il y a des gens qu'il a recrutés qui ne connaissent absolument rien. Au moment où il avait quitté le parti, il pouvait se concentrer à créer son parti sans faire le bruit. Mais il a perdu 6 mois, rien que mettre une armée numérique en place pour s'en prendre au secrétaire général, croyant que ça pouvait déstabiliser l'UDPS. Et c'était une peine perdue quand il s'est rendu compte que cette démarche ne pouvait rien apporter. C'est comme ça qu'il s'est précipité, sachant qu'il n'a pas une base électorale. S'il y a élection aujourd'hui, il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats. Il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats à tous les niveaux. C'est comme ça qu'il a créé cette diversion, en trompant l'opinion que le chef de l'État était en train de préparer une tricherie. J'étais avec lui dans tous les rendez-vous avec le chef de l'État. Je sais ce que je parle. Ce n'est pas pour rien que vous m'aviez vu ici initier des consultations avant de mise en place dans des entreprises publiques. Et ce qu'il a dit, personnellement, je suis au regret. Depuis qu'il avait quitté le parti, je disais à tout un chacun, calmez-vous, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Mais comme il a osé ouvrir ses chapitres, je me vois dans l'obligation de restituer la vérité à notre base. Les problèmes de mise en place au niveau de nos fédérations.
je voulais apporter une précision de taille. Ce n'est pas que le secrétaire général et le département de l'organisation n'avaient rien fait. On avait mis toutes nos énergies en place pour proposer les comités fédéraux à sa signature. Malheureusement, après avoir terminé le travail, vous pouvez vérifier l'information. Il nous a manqué du respect. Il a pris ses travaux, il a mis dans son tiroir, il a convoqué son petit staff pour faire le travail que nous on avait fait pendant un mois et demi. Et quand les gens sont venus me voir, je leur ai dit ceci, laissez le temps au temps. Nous allons marcher avec ce que lui va nous proposer. Et c'est connu de tout le monde. Un jour, un de mes adjoints est revenu d'une mission. Il est là, le secrétaire général adjoint, c'est obligé. Il m'a fait un rapport que moi-même, je n'ai pas voulu approuver pour sauvegarder son image. Ce n'est pas que j'avais peur, mais je voulais sauvegarder la stabilité et l'unité au sein du pays. La connexion va couper. Malheureusement, notre gentillesse, lui a fait, c'était un signe de faiblesse. Il y a beaucoup de choses et je vous promets ici, devant la presse, comme lui a choisi la voie de s'en prendre au chef de l'État, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache aujourd'hui. Une fois élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, si nous pouvons faire les calculs, il ne mettait plus encore ses pieds ici pour diriger le parti. Il dirigeait le parti au téléphone. Il prenait des décisions au téléphone. C'est moi, votre humble serviteur, qui avait pris la charge de garder cette base qui est aujourd'hui devant nous. Et il pensait dresser la base contre les chefs de l'État. Lui réfléchissait et moi aussi je réfléchissais. Aujourd'hui, la base est restée derrière les chefs de l'État. À vous les amis de la presse. À vous les amis de la presse. Monsieur Kaboul a parlé de Jusser. Quand vous regardez ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, qui est Jusser et qui n'est pas Jusser? Chers amis de la presse, là où moi je n'étais pas d'accord avec vous, Monsieur Kaboul s'est permis de vous importuner. Quand il a évoqué l'aspect des réalisations des recettes, mais il fallait qu'il vous présente des chiffres comme je l'ai fait maintenant. Il ne l'a pas fait et vous avez applaudi et vous êtes parti. À la prochaine occasion, il faut poser des questions. C'est la moindre des choses. Les questions ont été posées. Il y a certains compagnons d'élite qui ne voulaient pas que je puisse parler. Ils ont avancé des arguments. À ton rang de secrétaire général, tu ne peux pas répondre à Kaboul. J'ai dit non. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient attaquer votre papa, comme vous êtes habillé à tenir des couleurs blanches, vous dites que non, je serai sali. Je dois d'abord défendre mon père et les habits on verra après. Chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant. Chers amis de la presse, n'hésitez pas un seul instant. N'hésitez pas un seul instant de venir vers moi si vous avez une quelconque préoccupation. Et vous êtes témoin.
depuis que M. Kabound était devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne prenait aucun journaliste au téléphone. Est-ce que c'était une considération? Aujourd'hui, quand il s'est retrouvé dans cette position, il a fait appel à la presse. Ce qui n'est pas du tout correct. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, retenez une chose. Il y a dans la vie ce que l'homme ne peut pas récupérer. La parole que vous sortez dans votre bouche et le temps perdu. Je pense que nous avons dit l'essentiel. Ceux qui ont des questions, nous sommes à votre disposition pour répondre. Si vous constatez que la matière a été bien transmise, vous allez me libérer calmement et partir. Si vous n'êtes pas satisfait, je suis à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Merci. La matière a été bien transmise. Je peux vous souhaiter un bon retour et le Seigneur de tout puissant. On prend la moto parce qu'il y en a un qui n'a pas de moto. Il y en a un qui n'a pas de moto. On prend la moto rapidement. D'accord.